ici, toutes ces femmes qui sont si présentes représentent toute l'Afrique. Il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, Cameroun. Il y a la Cameroun, le Cameroun plutôt. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes, les Sierra Leonaises. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes. Ils ne veulent pas nous laisser rentrer chez nous. Nous sommes au Koweït. Ils nous ont dit qu'ici, c'est un centre de recueil de réfugiés ici. Donc nous sommes venus, nous, normalement nous ne devons pas payer de ticket pour rentrer chez nous. Mais on nous impose une somme que nous devons payer pendant que nous n'avons rien sur nous. On refuse de nous laisser rentrer chez nous. C'est pourquoi on crie à vous, on vous demande de l'aide. Toute l'Afrique, ayez pitié de ces femmes qui sont en détresse, ces femmes qui ont des enfants, ces femmes qui ont des maris au pays. Nous pleurons tous. Vous êtes tous, vous représentez tout pour nous. C'est vous seuls qui pouvez intervenir pour nous. Nous nous en supplions. Venez nous en aide. Regardez comme nous sommes. Il y a certaines femmes qui sont malades. Depuis un an, depuis deux ans, depuis des mois, trois mois, quatre mois, nous n'avons pas la possibilité de rentrer chez nous. Nous en supplions. Nous en supplions. Aidez-nous. L'Afrique, c'est l'Afrique qui est en train d'être humiliée. C'est l'humiliation réelle que nous vivons ici. L'humiliation, ces femmes que vous voyez ici, c'est l'humiliation que nous vivons. Regardez-nous, ayez pitié de nous, nous sommes au Koweït. Depuis tant d'années, nous sommes ici, nous sommes retenus. Ils ne veulent pas nous laisser partir. Chaque jour, il y a des choses qui viennent. Pardonnez, ayez pitié, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Regardez toutes ces femmes en larmes. Regardez. Regardez toutes ces femmes en larmes. Regardez. Regardez ces femmes. Elles sont malades. Regardez. Elles sont malades. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. La Guinée, le Mali, les Sierra Leone. Ayez pitié. Ala ninkela kama ala pa nyo dambara
kono do fiile lando la bido men ke la bi responsable me yeya ay lo nin tan na fosila ay lo nin tan na fosila ay bora ban ta la kan ta kan ambla kan kono ay ma ko fosita na ay dana la ma fene na anya ya nya men ma ay do mo nin ke la ay ta do mo nin ke la ay yi ay kende te ay ma ko fosita na amna filini ya kono fili wala na ke la bi amna video men ke la la jine ke na muso fem fem disi barka la lan kan kan toutes ces femmes en détresse en larmes qui sont si présents ici qui ont couvert leur visage, on ne veut pas montrer nos visages parce que si ils nous reconnaissent, ils vont nous torturer, ils vont nous jeter hors du centre. On ne sait pas ce qu'ils vont nous réserver encore comme sort. C'est pourquoi on a tous couvert nos visages. Et on vous implore, Ahmed Bakayoko, Monsieur le Président, et tous les autorités, Doba Didier, Touré, Soro Guillaume, on vous implore, Henri Conan Bédier, on vous implore, tous les cadres du pays ivoirien, tous les pays voisins africains viennent en aide à leurs enfants. Nous sommes les seuls qui sommes ici, qui sont méprisés, qui sont tout le temps humiliés parce qu'on n'a personne à nous venir en aide. Lorsque nous crions toujours en aide, personne ne nous répond. C'est vrai, on n'a pas demandé votre avis à venir. À venir dans ce pays couet. Mais on vous implore votre grâce. Nous sommes vos mamans, nous sommes vos sœurs, nous sommes vos petites sœurs, vos grandes sœurs. Nous avons aussi une famille que nous avons laissée derrière. Nous vous implorons. Nous sommes fatigués. On nous demande une somme que nous ne pouvons pas avoir, puisqu'ils nous ont dit de pouvoir payer le ticket, puisque nous n'avons pas la possibilité d'avoir cet argent. C'est pourquoi nous en pleurons. On vous demande pardon de nous venir en aide. C'est vrai, vous êtes tous nos espoirs ici. Actuellement, nous sommes retenus ici. Nous ne voulons pas, nous voulons rentrer chez nous au Kuwait. Nous voulons rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Toutes ces femmes que vous voyez ici, ce sont des Ivoiriennes, des mamans. Certaines parmi nous sont malades. Pardonnez, on vous implore, tous les autorités ivoiriennes, pardonnez, répondez-nous. Pardonnez, répondez-nous. Nous sommes fatigués de subir ce que nous sommes en train de vivre. Pardonnez, aidez-nous. Tous les pays africains aident les enfants. Pardonnez, on vous implore. On vous implore. On vous implore. Tout le monde, on vous demande pardon. Unissons-nous pour demander pardon à toute l'autorité ivoirienne de nous venir en aide. On vous en supplie. On vous en supplie. Ma maman, s'il te plaît, il faut traduire ça en Djoula. Pour leur donner encore. Ma maman, s'il te plaît,